Durant toute cette semaine, le mot égalité est dans tous les esprits au lycée Dupuy-de-Lôme de Brest. Dans le cadre de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, des étudiantes du lycée se sont lancées dans l'organisation d'une semaine de l'égalité. C'est une semaine qui a trait à l'égalité femmes-hommes autour du Puy de l'Homme et de la femme. C'est un projet qui est monté avec des étudiants qui se préparent et se destinent à devenir infirmiers. Donc un projet mené par des étudiants pour l'ensemble de la communauté scolaire, des élèves, les parents d'élèves, l'ensemble de leurs parents et éventuellement pour certaines animations, le public brestois. Animation, théâtre, projection, rencontres et débats ponctuent cette action avec en toile de fond l'égalité femmes-hommes. Dans la classe, on s'investit chacun sur un projet et on doit animer la présentation et faire intervenir les personnes. On est confronté à ça tous les jours parce qu'on est quand même dans un lycée où il y a de grands clivages entre hommes et femmes. Cet établissement est le décor idéal de cette semaine. Auparavant exclusivement masculin, la mixité est arrivée dans le lycée au fil des nouvelles formations. Je pense que c'est toujours important dans tout établissement de mettre en place ce type de semaine parce que je crois que bien que depuis des années les choses aient évolué, il n'en reste pas moins vrai que, je parlais de représentation, il y a encore fort à faire. Je pense qu'il faut respecter la féminité. Je trouve que c'est agréable dans un établissement, dans un lycée par exemple, que les élèves soient coquettes à partir du moment où leur tenue reste décente. Une semaine de l'égalité prenant l'ouverture d'esprit et le respect, trois mots qui doivent continuer à résonner.